Coucou à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter trois envois. Donc parmi ces envois-là, il y en a un que j'ai tenu à vous montrer car j'ai reçu depuis bien fort longtemps. J'ai reçu début juillet, je crois, je sais plus. Et donc je tenais à honorer la personne, bien sûr, qui m'a fait cet envoi. Donc ça sera après les deux que je vais vous présenter. Donc je vais vous présenter premièrement le Traveler que j'ai gagné. Sur la chaîne de Camcoco Créa. Donc, je vous présente tout de suite ce Traveler. Alors, j'avais déjà ouvert, mais je me suis rendu compte que j'avais pas filmé, donc je vais juste vous montrer le Traveler qu'elle m'a envoyé. Elle en avait fait trois et puis elle avait mis un tirage au sort. Donc, j'ai choisi moi le thème les coraux, quoi, corail, hein, coraux, pour le Traveler. Donc, il se présente comme ceci. De dos sur la tranche et elle a fait le tuto que je vous mettrai en barre d'infos pour voilà si ça cela vous intéresse, donc vous pourrez le consulter. Et elle a fait une petite chaîne donc avec des étoiles de mer et un petit pompon là, donc il y a des coins argentés et comme je vous dis voilà comment se présente la tranche. Alors quand on ouvre, elle a mis trois donc elle a customisé avec des papiers et elle a mis trois carnets. Donc qu'elle a elle-même customisé. Donc c'est les pages des carnets ont été customisées et franchement ça rend super bien. Donc voilà le carnet, le premier carnet déjà. Ensuite on a ce deuxième carnet là et on a un troisième carnet qui se présente comme ceci. Franchement ils sont super super beaux. En tout cas, moi, les carnets sont beaux et je trouve que ce Traveler, il est super beau. Donc voilà, ça vous permettra de découvrir une nouvelle chaîne que vous ne connaissez pas. Donc n'hésitez pas à lui rendre visite et puis à regarder, au moins à la découvrir et voir si cela vous intéresse. Donc wali walou pour Camco Créa, je te dis merci et je te fais de gros bisous. Ensuite, je vous laisse là. J'ai un autre envoi que j'ai reçu de la part de Ghislaine, le scrap de Gis. Alors, elle m'a envoyé donc une petite carte, donc mignonne, donc qui est écrit Happy Birthday. Alors, je vous montre le travail du fond. Donc, elle a fait un premier fond, puis un deuxième fond avec des fleurs. Donc, franchement, c'est joli avec une petite fenêtre. Et il y a des bâtiments avec un petit personnage ici. Et ensuite à l'intérieur, elle m'a fait une. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Désolée pour le bruit que vous entendrez. Et donc elle m'a fait cette superbe ATC. Elle est trop trop belle. Franchement, je la trouve trop belle. Voilà. Et Bright ID, c'est-à-dire idée lumineuse. Une idée lumineuse. Et c'est la TC Light. Donc c'est le nom de sa chaîne, excusez-moi, le Scrap de Gis, elle a également un blog et c'est la une sur trois. Et elle m'a également fait un carnet dont elle a travaillé la couverture, donc c'est un carnet, voilà. Et elle m'a mis également deux dies à l'intérieur, c'est trop mignon. Donc deux dies, je les ai pas essayés, mais c'est plutôt des dies fleuries. Merci beaucoup, Islaine. Les dies fleuries. Et elle m'a fait cette très belle couverture. Donc pour moi c'est du mix média hein. Et de la patouille, ce que vous voulez. Et donc cette très belle couverture qu'elle a customisée avec une danseuse. Donc vous avez de la gaze, des pages de livres découpées. On a de la pâte à texture. Je ne sais pas si c'est dans tamponnage. Les jeux de couleurs, un tag également derrière. Et cette petite jeune fille, voilà cette danseuse avec heart plutôt, et c'est vraiment très très joli avec le mot art. Ben, merci énormément, Justine. Ça me fait beaucoup plaisir et je suis vraiment très contente. Et franchement, j'aime tout, 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 tout. Donc voilà. Alors, ensuite, on passe maintenant à la personne que je tenais quand même à vous montrer ce qu'elle avait fait, puisque. Enfin, pour moi, c'est important et franchement, elle est super belle. C'est super beau ce qu'elle a fait. Et c'est Natacha Scrap. Donc, j'avais gagné un lot
donc un concours, donc tirage au sort, et elle m'a fait cette trousse. Elle est super belle. Donc elle l'a fait au crochet. J'ai pas encore rangé quoi que ce soit dedans. Elle a mis une gorgeous, c'est bien ça. Une image comme ça. Moi je trouve ça fait joli, un peu vintage, vous savez, un peu marronné. Et elle a fait cette superbe trousse. Et les boutons, des détails, c'est aussi là. Je vous montre les détails également de ce côté, donc dans les tons violets. Et rembourré comme ceci à l'intérieur, et je peux ranger ben, des petites choses. Je ne sais pas encore, je sais que je l'ai rangé précieusement pour pas l'abîmer, mais je ne sais pas encore ce que je vais ranger. Et donc elle m'a fait cette superbe boîte qu'elle a elle-même customisée, qui est super jolie, hein. Je vous laisse seulement admirer le travail, regardez. Je peux vous montrer de plus près pour voir les détails. J'aime beaucoup également comment on travaille. Autant Ghislaine, j'aime beaucoup comment elle travaille ses fonds, mais j'aime également les fonds que fait Natacha. Et c'est vrai que c'est Ghislaine qui m'a appris à, comment dire, en tout cas qui m'a montré, qui m'a appris comment travailler des fonds avec d'autres techniques, et qui m'a aussi montré comment on pouvait aussi travailler les fonds avec simplement ce qu'on avait, de la peinture, de l'encre, ce que vous voulez. Et en regardant également après les vidéos de Natacha, moi je suis très admirative comment elles arrivent à travailler les fonds. Je trouve ça trop joli. Bon, je continue. Alors, donc vous avez des fleurs, du papier qu'elle a mis, elle a fait de la pâte à texture. Fleur également, et une gorgeuse au milieu, puisque le concours, pour son concours, il fallait lui faire une page sur le thème des gorgeuses. Voilà. Et donc à l'intérieur, elle m'a juste gâtée, mais vraiment gâtée, hein. Donc elle m'a fait cette Memory Dex. Memory Dex, non. La Memory Dex est là, la TC est là, et la carte assortie. Donc elle m'avait fait ces trois jolis présents. Qu'elle m'a fait très jolie, donc je les range. La TC, je la laisse là parce qu'il faut que je la range dans mon classeur. C'est vrai que quand moi j'avais reçu son courrier, j'étais en plein de travaux, donc j'avais plus rien dans ma chambre, tout était dans des cartons, dans des sacs, donc j'avais pas eu le temps de ranger. Donc là, je vais pouvoir ranger tranquillement. Alors, elle m'a dans la boîte, il y avait des stickers comme ceci. Il y a des fleurs comme ceci, donc je vais essayer de travailler avec des pistils. Elle m'a également offert des fleurs comme ceci. Alors, j'ai eu cette planche de tamponnage, j'étais trop contente parce que moi, je les avais pas trouvées, les planches. Donc, je suis contente. En plus, c'est l'automne, donc je vais le sortir ici. Ensuite, j'ai des lettres avec dans un magnifique, enfin, très beau pochon. Moi, j'aime beaucoup, hein. Donc, rangé comme ceci. J'essaie de remettre comme c'était puisque je l'ai laissé dedans. Une autre planche de tampon, mais plutôt couture. Mode également très très jolie. Elle m'a également fait cette petite sacoche. Enfin, j'aime bien la fermeture. Je vous présente comme ceci, avec du jaune et un vert gris. Très joli, très sobre, mais très joli à la fois. Et voilà, c'est un set de pareil de papeterie, donc super joli. Que je vais pouvoir réutiliser. Donc j'attends de finir les autres avant d'entamer les nouveaux que vous m'avez offert. Elle m'a fait ce très beau dessin image, cette très belle image crochetée, excusez-moi. Je trouve ça trop joli. Celle-là aussi, elle est très très belle. Je me dis si je dois faire des créas peut-être pour les autres, mais si j'utilise ça, il faut que ce soit vraiment de très belles créas qui puissent les mettre en valeur, quoi. Ou des créas qui, je sais pas. Elle m'a fait ce petit poisson. Elle a fait le tuto également de la manière de faire. Je ne sais pas si je le tiens à l'endroit ou pas. Mais comment faire ce petit poisson au crochet? Elle l'a fait en tuto sur sa chaîne. Elle m'a également offert dans son lot des fleurs, des boutons fleurs. Alors, il y a cette très belle pochette aussi. Je la trouve très jolie. Elle est peps avec un petit pampi là, un pompon. Et à l'intérieur, pareil, j'ai été gâtée. Mais vraiment très gâté, hein. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais remettre après dedans. Alors, il y a un stylo avec une gomme. Très joli. Donc, je vais pouvoir les ranger maintenant que j'ai mon petit pot à stylo.
Donc ça c'est super. Là aussi je vais ranger. Elle m'a mis des petits déboutons. Un petit carnet. Elle m'a mis également un tampon Gorgeous, trop mignon. Donc là, je vais le sortir, je vais laisser à l'extérieur pour le ranger aussi dans ma collection de tampons. Donc je suis contente parce que pour ceux qui aiment les Gorgeous, je vais pouvoir leur faire vraiment des créations avec leur personnage préféré qu'elles aiment. Alors, elle m'a également fait des embellissements en pâte Fimo. Et ce qui est bien, c'est qu'elle les a mis dans un paquet. Il ne faut pas hésiter à réutiliser les paquets, moi je dis, pour emballer les choses fragiles. C'est toujours utile et j'aime beaucoup les couleurs qu'elle a choisies. Ensuite, alors, là, elle m'a également mise dedans, voilà, des die cuts. J'étais très surprise. Très jolie. Donc c'est comme ça, se présente comme ça. Je vais pas vous les sortir pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Je vais juste en sortir peut-être une pour voir un peu qui se présente comme ceci. Donc ils sont plutôt assez grands. J'aime bien les couleurs. C'est sympa. J'aime bien le moulin avant aussi là. Très joli. Voilà. Alors elle m'a également mise un petit carnet. Ah, c'est joli! Je redécouvre encore. Hein. Je l'avais vu déjà et je redécouvre encore. Et c'est super beau, les petites notes là. Et donc, ça se détache. C'est des feuilles détachables. Donc, je trouve que c'est sympa pour mettre des petits mots dans les envois. Parce que, bon, moi, j'aime bien les cartes, mais je suis pas. C'est pas que. Non, je suis pas très carterie. Hein. Non, je crois que c'est. J'ai un peu de mal avec. Hein. Et elle m'a mis des embellissements été. Donc très joli également. Celui-là en plus on peut les coloriser, donc c'est sympa. Après moi des fois si je trouve que la couleur ne va pas, j'hésite pas à recoloriser derrière. C'est-à-dire je peux colorer en doré. Enfin voilà, on peut toujours personnaliser ce que l'on a. Alors, et elle m'a offert ces très beaux stickers. Trop joli. Je vais le prendre pour un projet. Je vais le sortir tout de suite parce que j'ai un projet là en attente. Non, qui est en cours, que j'ai déjà commencé à faire. Elle m'a mis des plumes, jolies comme tout. Et elle m'a également mis un pochoir adhésif, donc qui est réutilisable. Et le papier, en tout cas le fond, la feuille là, j'aime bien le fond de la feuille. Et ça se présente comme ceci. Très très joli. Et on peut faire voilà de la peinture, soit sur les feuilles, soit sur les vêtements de base. Mais voilà, très très belle pochette. Donc voici le très très beau lot que m'a envoyé, excusez-moi, non ça c'est pour Angers, que m'a envoyé Natacha de la chaîne Natacha Scrap, dont je mettrai également la chaîne en barre d'infos. Donc je suis super contente, je ne m'attendais pas autant, donc j'ai été agréablement surprise par ce joli lot. Et vraiment son travail pour la pochette, franchement c'est super joli quoi. C'est très très beau. Donc comme je ne veux pas l'abîmer, j'ai pas envie de mettre des choses qui tachent. Je vais voir ce que je vais ranger dedans. Parce que de toute façon, je crois que je le dis à chaque vidéo. Faut que je me motive en fait à finir. Et donc voilà pour le très très beau lot offert par Natacha pour son concours. Donc merci Natacha pour ce lot, bon, qui date d'un concours qui est déjà passé depuis très longtemps, mais voilà, je tenais quand même à vous montrer vraiment son travail. Couture, crochet, enfin je trouve ça trop beau. Et merci également à Ghislaine pour son très bel envoi aussi également. Et à Je vais faire un peu de place. Et à Cam Coco Créa. Donc voilà les très beaux envois que j'ai pu recevoir. Alors je vais mettre comme ça. Que j'ai pu recevoir. Je vous remercie à tout un chacun pour tous les messages que vous me laissez, les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Pour tous les ceux qui prennent le temps de regarder, voilà, je sais que c'est pas forcément évident avec l'emploi du temps, mais voilà, je tenais à vous remercier. Et merci encore à Cam Coco Créa,
à Ghislaine et aussi à Natacha pour ces très beaux courriers qui m'ont voilà, donné beaucoup de joie. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!